Le non-tombage des zombies. Oui! De l'XP! Le slime des enfers! Pas! 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 Mec, c'est trop bien, j'ai défoncé un slime! Impossible de... Mais Attends. C'est pas là qu'il faut la mettre. Je oui, guéris. non, c'est moi qui l'ai récupéré. T'es Vas-y. bloqué dans les yeux de la poule. Drop. Je récupère, c'est trop drôle. Vas-y, drop-moi, c'est clair. Attends, attends, je la mets, je la mets. Mec, on peut pas, il y a trop de poulets. Oh, attends. Attends, je te tape, je te fais remonter, je te tape. Aïe, oh Eh putain, mec. enlève, enlève, ça fait game mal, j'ai enlève ton Attends. tente. Oh, il y a Non, putain, enlève ton tente. J'ai besoin de moi. Ça, essaye de t'accrocher à l'échelle, fonce dans l'échelle. Oui! Oui, ne tombe surtout pas! Oui! En me prenant un cœur. Oh, GG! Qu'on a réussi! Vas-y, maintenant faut remettre des blocs Oh comme ça. putain, la galère, les gros galériens quoi. Voilà, bon, maintenant Comment dire? on va faire l'intro sous la pluie. Comment dire? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis glitch. Mec, t'es retombé dedans? Ouais, attends. On va devoir refaire le même truc. Mais... Non, non, on fait ça. Y'en a pas beaucoup, ce mot. Je pense qu'il y en a plus de 200 en moi. C'est hyper débile. Allez! Allez! Attends, j'ai ça, vas-y! Oui! T'es hyper Ça fait un débile! peu, mais on s'en fout. Mec, t'es hyper con. Regarde, regarde, on les met tous là. Non, mais. Viens de mettre un bloqueur. On a déjà une fortune 3 sur une hache, donc on s'en fout. Ouais, et fortune 2 sur une pelle, à quoi ça sert? Solidité 3. Pense pas Oh vraiment. mec, fortune 2, solidité 3, efficacité 3. Brrr. Cool. Ouais, ça va. Protection 3 en... sur un livre. Je te prends des livres. Ouais. Ah non, pour 28 level. Épine 1, protection 2. Protection 2. Ah mais c'est que t'as pété la bibliothèque en plus en fait. Merde, j'ai pas fait exprès. Tranchant 2. Parce qu'il y en avait une au-dessus là qui permettait d'accéder au niveau 3. Aura de feu. Nickel. On est bon, Jackie. Traîne. Je sais pas, je vais aller Bon. me faire un peu de blé. Toujours faire du blé. Mais ces chances sont de plus en plus petites, je trouve. Oui. C'est pas faux. Bon, au pire, on s'en fout, on fera des vrais champs à un endroit. Ouais, dans la vallée. Hey oh, nanana, Tu dans fais la où l'intro? vallée, Eh merde. Mec, tu l'as fait où l'intro? On va la faire dans la vallée, oh Ok, au la pied de la tour dans la vallée. Dans la vallée, quand il pleuvra plus parce qu'il faut dormir. Yeah! Tu sais, là, je peux faire un truc. Mec! Bruh. Escroc. Mec! On a toujours pas fait l'intro. C'est quoi ce bordel? Suis enterré. Mec, je suis sous les champs. T'as traversé un bloc! J'ai vu sous les champs du coup, genre j'ai vu tes trucs de pastèque. C'est vrai, t'as vu. Oui. Mec, t'as vu X-Ray? Genre en mode X-Ray? Ouais, X-Ray un peu bizarre, mais. Vas-y, je dors, merde, je peux pas Il dormir. fait jour en fait. Oh putain. Mais d'abord, je te fais un petit lancer de chien. C'est une discipline sportive très prisée parmi chez nous. Par les Jackie et Et les Kevin. les Jean-Jacques. Alors là, on voit, il y a Le un petit chien. chien. Par contre, oh. Oh.
Oui, bon, par contre, il est à l'intérieur d'un poteau. Allez, lancez le chien. Il aime bien les gros poteaux. Allez, le chien. Allez, on saute. What? Il s'est monté, il s'était fait sur moi, ce guestier. Hop. Wolf a fait une triple chute. Bah, rip, Wolf. Horrible, mon pote. On t'aimait. Hey, salut internet, c'est Alors110 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez me dire, t'avais arrêté de faire des vidéos, nique ta mère, nous on veut plus de vidéos. Ouais, mais en fait, je vais continuer en fait parce que c'est bien. Et aujourd'hui on se retrouve. Oh, un poisson. On se retrouve sur un serveur, alors un serveur en ultra hardcore qui se nomme Zaytopia. Je l'appellerai Holy Plagia pour la série. C'est pour ça que le titre est Holy Plagia, effectivement. Vous avez compris, c'est bien, bravo. Donc dans cette série, on a déjà un peu avancé. Nous avons fait la grosse tour parce qu'on fait ça sur tous les serveurs. Vous allez dire on sait pas qui c'est toi, mais avec qui Alors on c'est avec Monsieur le Captain Raph qui est quelque part, on sait pas. Alors Bonjour. oui effectivement il est là, il est présent, mais voilà. Et donc vous allez voir des épisodes très différents de ce qu'on peut voir sur Internet, vu que ça sera des épisodes. Pour tout vous dire, je suis en train de tourner l'épisode depuis maintenant une demi-heure, je fais l'intro maintenant. C'est pour ça que ça sera très absolument pas dans l'ordre chronologique, je vais juste mettre des trucs fun qui se passent. Après, il y aura peut-être des lives aussi sur ce serveur, ça fait plaisir les lives. Parce que les lives, on en fait tous les vendredis, sauf ce vendredi, parce que ce vendredi, bah j'étais pas là. Enfin, on était en soirée avec l'ami Captain Raph. Bonjour. Ça va? Donc évidemment Bah la oui. tour. Alors notre projet, le projet de cette série a été le projet surtout le serveur a été créé par Smaky. Donc Smaky qui est actuellement connecté. Donc bonjour Smaky, il a 16 morts. Monsieur Captain Raph est à 23, moi je suis à 16. Donc je suis à égalité. Va falloir que je le batte, mais pas pour l'instant parce que j'ai 26 levels. Bonjour Smaky effectivement. Smaky qui nous a invités, qui est youtubeur, je vous mettrai sa chaîne dans la description. Il a fait l'ouverture du serveur, il a fait une petite vidéo. Je sais que d'autres participants ont fait des vidéos sur ça. Donc j'étais présent, Captain Raph n'y était pas. Donc vous pouvez entendre ma voix suave sur les chaînes des autres. Moi en attendant, je n'ai pas filmé à ce moment-là. Donc je présente maintenant. Et ça fait plaisir. Donc moi je pense qu'on est parti sur l'épisode. Et puis si j'ai quelque chose à rajouter, je vous le mettrai en J'ai un YOLO petit quoi. message à faire passer quand même. Oui? C'est que en ultra hardcore, bah, le poison ça tue. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, ça tue pas en fait. Je suis déçu. Non! Oui, du stuff. J'ai 27 levels. Donc, Ah oui, mon Smaky. lit a été obstrué, on se demande par qui. Bon, dans l'épisode, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va terraformer. Présenter la base, tiens, il faut que j'aille présenter un peu tout. Le Tout. spawn. Le spawn, effectivement, il faut présenter le spawn qui est en état bordélique en ce moment, mais. Un chien! Un chien! Ah, mon chien s'est réincarné. Ton chien s'est réincarné. Donc je vais descendre. Oh, il y a une mort que j'ai pas encore faite. Noyé? Non, non, ça a déjà fait. Tu vas voir. T'es dans le nether. J'ai respawn dans le Nether? What? Donc nous on va un peu terraformer, on va faire J'ai fait le plutôt. grand saut. Je pense qu'on c'est carbonisé à mort. Je pense Mais je qu'on. respawn toujours ici, c'est abusé. Oui bon, je pense qu'on va faire un peu la montagne tout autour de la tour parce que c'est la tour qu'on fait dans tous les serveurs. Vous pouvez vous en rappeler dans le serve de Varicax, dans le tout premier serveur qu'on a fait survie. On l'a fait dans plusieurs serves de quelques youtubeurs qui nous avaient invités. C'était qui déjà? Puccino, je crois, qui nous a invités. Alors, je vais pêcher. Un poisson globe. Un poisson. Un autre poisson. Un poisson clown. Un saumon. Un poisson. Un poisson. Un poisson clown. Un poisson. Un poisson. Un saumon.
Un poisson. Un poisson. Beaucoup de poissons. Un saumon. Un autre poisson. Un autre poisson. Un bon poisson. Un poisson. Un autre poisson. Encore un poisson. Je vais rager, y'a rien. Un saumon. Un saumon. Un captain raf. Un poisson. Oh, un gros thon. Un poisson. Bon, après de nombreuses heures, on peut apercevoir quelques trucs pas mal. Tels que une fiole d'eau et des poissons clowns. Bon, surtout, en fait, il y a beaucoup de cannes à pêche, mending, raccommodage en français, mais c'est bidon, donc que j'ai réparé. Et puis, des selles, des arcs, il y en a un mending aussi. Pas mal, pas mal, on aime. On va continuer. Et c'est le tournoi de pêche qui commence. Captain Raph contre R70. Attention, il a pêché une morue. Oh là 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 là, une deuxième morue pour LR70. J'ai une selle à 20. Après, je pourrais aller chercher un petit cheval squelette qui traîne dans la vallée. Dans la vallée. Oh, oh, la, 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 la. Attention. What? Mec, le mending, c'est abusé. Genre, j'ai commencé à pêcher avec. Elle avait. Il devait lui rester. C'était tout rouge, tu vois, la durabilité. Ouais. J'ai miné deux trucs, enfin j'ai pêché deux trucs et a été réparé. Ouais, attends, sinon on peut aller chercher le sac d'os. Le quoi? Le sac ouais. À d'os. Le sac d'os. Je vais le chercher. Je vais chercher le sac. Non, j'y vais. Non, c'est moi. Je vais chercher la première. Oui. Allez, c'est la galère. Il faut vraiment qu'on terramorphe. Terramorphée est une citation, est une expression créée par R110 dans les années 2000. Elle est très utilisée dans le courant philosophique art contemporanisme, inventé par lui-même. Le but de ce courant artistique était de dire extrêmement de la merde en mélangeant plusieurs mots en même temps. Alors, c'est très amphigourique. Exactement. L'amphigurité est une figure de style présente dans la... Bon, je vais arrêter là parce que je trouve plus l'os, là. Il est où exactement? Ah si, je sais où il est. Il est à la base. Je l'ai ramené. C'est vrai? Ouais. Non, c'est faux. Non, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Je vais beaucoup plus vite que toi, je suis passé par un raccourci. Tu ignores l'existence. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il est devant moi. Oui, on va l'appeler comment? Sac d'os. Ouais, sac d'os. Par contre, il est extrêmement lent. Mais genre, il a beaucoup de vie. Enfin, non, en fait, il est extrêmement nul. Genre, c'est abusé. Je suis pas le squelette, quoi. Salut, regarde, il est lent, mon gars. Traquenard. Tue pas mon cheval. Et je cours plus vite que lui. C'est vrai. Presque. Bravo, cheval squelette, tu arrives à sauter deux blocs. Quel génie. Bon, je te lègue le cheval squelette. Il est à côté des champs. En attendant, moi, je vais me faire une super pelle en diams. À côté de Didier. Ouais. Il s'est abusé sur la nullité de cette blague. Alors, nous allons découvrir le spawn. Donc, ce côté, le côté d'où on est le plus construit en vrai. Donc là, déjà un peu terraformé, donc une belle maison, un shop à potions. Je vais le mettre en cage. Ok, il le met en cage, sac d'os. Je vais manger aussi. Donc, il y a un shop à potions, un McDonald's qui se construit. Puis, des choses horribles tout autour, des arbres volants. Pour l'instant, c'est à mocheter. Le spawn, bien sûr, les bâtiments sont plutôt jolis. Hein. Même le McDonald's qui sort un peu du lot... a l'air pas mal, n'a pas encore terminé. Il y a un petit spawn aussi qui a été construit. Donc on est en 1.11, je l'ai même pas dit, mais de toute façon on s'en bat les steaks.
Et du coup, je vais peut-être me prendre quelques levels à l'usine à zombies qui est tellement mal faite, mais qui fonctionne. Mais un poulet. Attention, c'est de la surprise. Combien j'ai de niveau? Oui, ça augmente. Je suis à plus de 30, je suis à 31. Je parie pour 32,5. Ok, 33,5. Ah non, 33 piles. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va enchanter l'appel. Tac, enchantement de l'appel, on est chaud. Y a quoi? Solidité 3. Merde, putain, que solidité 3. Je me suis fait biter. Je vais enchanter une hache en diams, tiens, pour le fun. On va les mettre ici et ici. Ouais, c'est bon. Alors maintenant, je devrais atteindre le level 30. Mais bon, j'ai pas de. Ouais, voilà. Protection 3 sur une armure en cuir. C'est super génial. Ah oui, petit coffre super génial qui permet de fiu fiu. Voilà, automatiquement ça cuit. Tascan Inferno XP. LOL. LOL. Bon, maintenant on va faire un petit enchant. On t'a cramé gros. Ah mais voilà, là on peut parler. Cassité 4, fortune 2. Bon, fortune 2 on s'en fout mais. Magnifique, voilà des beaux enchantes. Bon, bah, on va pouvoir terraformer. Maintenant, faut plus que j'allume. Je télécharge Forge en 1.11 pour mettre le replay mode. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On vient de terminer le timelapse, Monsieur Captain fait partie depuis belle lurette. Je suis en train de monter la vidéo. J'espère que ce type de vidéo vous plaira. Si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Vous pouvez me mettre dans les commentaires comment améliorer ce que j'ai fait, des petits trucs que vous n'avez pas aimé et tout, comme ça je pourrais le changer là pour la prochaine fois. Donc je sais pas si je refais des vidéos tous les jours. Ce que je sais, c'est que je suis en vacances, du coup je ferai des vidéos de temps en temps sur le serve. Je ferai aussi des lives, bien sûr. Après, quand je serai plus en vacances, il y aura beaucoup moins de vidéos, je pense, sur le serve parce que c'est très très long à monter. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Bye bye!